Bienvenue sur le tapis. Si tu as un mur accessible dans ta pièce, tu vas faire comme moi, tu vas placer ton tapis tout contre lui. Si tu n'as pas de mur à ta disposition, je vais commencer par te montrer les deux premières postures qu'on va réaliser sans le mur pour toi, d'accord? Donc, si tu n'as pas de mur près de ton tapis, tu vas prendre Supta Baddha Konasana directement sur le tapis. C'est-à-dire que tu vas coller tes deux plantes de pied, laisser tes genoux s'ouvrir. Et ensuite, prendre ton temps pour déposer ton dos, peut-être sur un coussin ou une brique, ou peut-être directement sur le sol, comme tu préfères. Si tu as plein de briques, tu peux aussi les utiliser pour caler tes genoux. Tu peux également te couvrir, te soutenir avec une couverture sous la tête ou le bassin. Donc, prends le temps de t'installer ainsi. Et lors de la deuxième posture, tu viendras refermer les deux genoux, faire l'inverse en fait. Les deux pieds s'écarteront largeur du tapis, les deux genoux se reposeront l'un sur l'autre. Tu pourras aussi choisir de changer légèrement les accessoires. On y reviendra. Donc je te laisse t'installer dans ton Supta Baddha Konasana et je montre aux personnes qui ont un mur comment elles vont s'installer. Donc on va se mettre tout près du mur, l'épaule gauche par exemple contre le mur. Et puis ensuite, on va se laisser déposer le dos sur le tapis confortablement et on va faire un petit quart de tour vers le mur, vers la gauche. Ça peut prendre un petit peu de temps, ça peut être pas très gracieux, c'est pas grave. On s'en fiche. Et une fois ici, nous aussi, on va prendre Supta Baddha Konasana en posant les deux plantes de pied l'une contre l'autre et en laissant les genoux s'ouvrir. Ok, donc je pense que voilà, tout le monde est à peu près installé dans sa version. Je vais lancer un petit chronomètre de 5 bonnes minutes. Donc, je surveille le temps pour vous. Je vais vous laisser vraiment savourer dans votre posture en vous guidant tranquillement. Donc, laissez les jambes, le bassin se déposer sur leur support. Si tu as les jambes au mur, tu as le choix de t'aider des mains ou non. Si tu as envie de lâcher les bras le long du corps, tu peux laisser les jambes un petit peu glisser, s'installer sans avoir à fournir d'efforts. Mais si tu veux utiliser les bras, les mains, tu peux activer vraiment les deux plantes de pied l'une contre l'autre, les mains sur les cuisses qui pourront ensuite pousser un peu les genoux vers le mur et écarter un petit peu les plantes de pied. Et tu peux naviguer entre tous ces états, un peu plus actif, un peu moins. Choisis bien, prends le temps. Et une fois que tu as ta version, tu peux t'y installer, respirer. Laissez le visage se détendre. Si tu es sur le tapis, sans le mur, sans le tapis complètement sous toi qui te soutient, et tous les supports, accessoires que tu as choisis, remontez légèrement vers toi pour t'accueillir pleinement. Le cou se détend. On sent le va-et-vient du souffle dans le buste. Sans l'exagérer.
Et à chaque expiration, on s'ancre un peu plus dans le présent. Lorsque tu as besoin de t'ajuster, essaye de bouger lentement, avec conscience, présence. Accompagne-toi toujours du souffle. Cherche toujours le confort. Le relâchement, le lâcher-prise. Quelle que soit ta variante au mur ou non, tu vas commencer à te préparer à quitter cette posture pour aller vers la suivante. Donc doucement, les mains pourront peut-être glisser sous les cuisses pour rapprocher un petit peu les genoux. Doucement, doucement, lentement. Et si tu es à plat dos sur le tapis, tu vas donc écarter tes pieds de la largeur du tapis et laisser les deux genoux retomber l'un vers l'autre. Ça peut prendre un petit peu de temps pour que ton bassin s'installe. Tu peux jouer avec la position des pieds, plus ou moins proche des fesses. Et si tu es au mur, tu vas chercher la posture de la guirlande au mur. Donc tu vas écarter les pieds, les poser bien à plat, écarter les genoux. Et encore une fois, les bras peuvent être détendus, déposés. Ou bien tu peux joindre les mains devant le cœur. Ou te servir des bras pour maintenir les jambes. Dans les deux cas, essayez tous et toutes d'allonger votre cou pour que la ligne de la colonne soit bien droite. Et respirons là quelques instants, cherchant de plus en plus d'ancrage, de présence. Dans l'immobilité et le silence, parfois le mental s'agite ou s'ennuie. C'est tout à fait naturel. Essayons simplement de remarquer quand ça arrive et revenir à la posture, aux sensations du corps, à notre confort et à la lenteur du souffle.
Laisse le tapis t'accueillir totalement. Même si ça demande de revenir sans cesse détendre une zone qui se serait crispée. Relâcher un muscle. Alourdir une articulation ou un os. Dernier petit moment pour retrouver encore plus de confort, quoi que ça demande. Puis on va se préparer, toujours en étant immobile, à quitter la posture. Dans quelques instants, nous nous retrouverons à plat ventre. Donc si vous êtes au mur, vous allez d'abord défaire le geste des bras, puis resserrer les jambes vers vous. Et pour quitter le mur, on roule simplement sur un côté, n'importe lequel, avant de se repousser avec la main du dessus pour venir à genoux ou assis. Et si vous étiez allongé, ici sur le tapis, simplement, vous pouvez faire la même chose, rassembler un genou puis l'autre vers le buste, vous faire un gros câlin, serrer un petit peu les cuisses, refermer les hanches, puis rouler sur votre côté, n'importe lequel. Et on se rejoint tous, toutes, à plat ventre, ok? Prenez le temps qu'il vous faut. Si vous avez une couverture, elle pourra vous être utile également, donc n'hésitez pas à la sortir. Si vous étiez tout contre le mur, vous pouvez décaler un petit peu le tapis pour avoir un peu d'espace des deux côtés. Okay. Donc, nous allons nous retrouver à plat ventre. Et on va glisser nos deux mains sous notre front. Trouver la posture du crocodile. Et ensuite, si c'est ok pour votre bassin, vous allez voir, on va dégager le genou gauche sur le côté gauche, chercher à peu près un angle droit, c'est là que la couverture peut être utile, sous cette jambe qui va être pliée. Ou bien vous pouvez aussi vous décaler un petit peu sur le tapis pour être plus soutenu. Et demi-posture de la grenouille ici. Quelques instants, donc essayez de trouver votre confort. Vous pouvez être sur les deux mains ou les deux poings superposés. Essayez de relâcher le poids de la tête, celui des épaules, celui des hanches. Sentir tout le tapis sous vous, vous soutenir. Laissons les souffles circuler dans la forme que prend le corps. Et cherchons pour quelques instants l'immobilité et la détente.
revenait sans cesse parcourir le corps avec l'œil intérieur pour dénicher les petites zones de tension que vous pouvez défaire. Et puis nous allons nous préparer à quitter la posture. Lentement, vous pourrez vous rappuyer un peu plus sur les coudes, les mains, et refaire glisser votre jambe gauche à côté de la droite. Revenir déposer les deux hanches, les deux genoux, les deux pieds. Observez les sensations, et si ça fait du bien, vous pouvez rouler un petit peu le bassin d'un côté et de l'autre. Et puis, toujours en bougeant lentement, avec conscience, c'est le genou droit qui viendra se plier. Vérifiez que vous avez suffisamment de place à votre droite. Et amenez le genou à peu près au niveau de la hanche. Le pied droit se dépose. Votre front sur les poings ou les mains ou directement le sol. N'hésitez pas à utiliser la couverture sous votre jambe droite. Un coussin pour soutenir le buste. Mettez-vous à l'aise. On est là pour quelques respirations. Plusieurs minutes. Vérifiez que vous ne tendez pas trop le visage, que les doigts, les orteils se desserrent, les mâchoires. Toutes les petites zones qui ont tendance à se crisper. On va se préparer tranquillement à quitter la posture. On se rappuie un peu plus fermement sur les coudes, les mains. On va reglisser le genou droit à côté du gauche. Reposer les deux coups de pied côte à côte. Et observer les sensations partout alors que tout revient au centre. Tout s'aligne à nouveau. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à bouger un peu, masser
les genoux sur le sol, le ventre, les cuisses. Et toujours avec conscience, lenteur, on va se retourner sur le dos. Prenez le temps. N'hésitez pas à rapprocher une brique ou un coussin. Si vous avez envie, vous pourrez la placer ou le placer à votre droite, à peu près au niveau des genoux, quand ils vont tomber. Ok, ancrons bien tout le dos, les épaules et les bras. Et on va inspirer en décollant les deux pieds, chercher à étirer un petit peu les jambes si ça fait du bien, les bouger si ça fait du bien. Et ensuite, nous croiserons la cuisse gauche par-dessus la droite, comme si on s'asseyait un petit peu dans une chaise, les jambes croisées. Ça peut être ça votre version, ou bien coller un peu plus les deux pieds, ou bien finir d'enrouler pour les jambes de l'aigle. On serre un petit peu, on fait un nœud avec les jambes pour que l'énergie ne fuit pas et qu'on puisse être bien là. Une fois que vous aurez votre version, vous pourrez inspirer au centre et expirer en laissant vos jambes, vos genoux se poser peut-être sur le sol ou peut-être sur votre support, quelle que soit la hauteur de ce support. Ok ? N'hésitez pas à prendre le temps de vous installer, d'ajuster. Et une fois que vous avez la version des jambes, vous allez pouvoir tourner votre tête à l'opposé. Essayez de faire en sorte que ce soit fermement tendu, mais avec confort. Et je surveille le temps pour nous. Respirez-y bien. Sentez comme les souffles viennent gonfler le ventre, les côtes et la poitrine. Dernière occasion de relâcher un peu plus les épaules, les hanches, les bras. Et puis tranquillement, nous préparerons à quitter la posture. Posant les mains bien à plat sur le sol, le long du corps, on va ramener le nez vers le ciel, les deux jambes vers le ciel, le dos bien à plat. Et défaire tous les nœuds dans les jambes. Peut-être reposer les pieds ou garder les jambes vers le ciel, comme vous préférez. Et bien sûr, ensuite, on fera l'autre côté. Donc si vous aviez un support à droite,
vous allez le déplacer vers la gauche du tapis. Et lorsqu'on sera prêt, on pourra croiser la cuisse droite par-dessus la gauche, plier un peu les genoux, coller peut-être les pieds ou les enrouler l'un autour de l'autre, au choix. On inspire, on éloigne un petit peu les genoux de la poitrine et on expire en descendant à gauche. On peut se soutenir avec le support sous les genoux ou la cuisse. Prenez le temps de bien vous caler, bien vous installer. Et une fois que c'est fait, la tête peut se tourner à l'opposé. Super. Respirez bien. Desserrez les mâchoires. Lissez le front. Essayez que les yeux soient fermés ou ouverts, de fixer le regard. Vous verrez ainsi peut-être le flot des pensées ralentir. Et votre œil intérieur sera plus libre de bouger dans le corps pour dénicher les zones que vous pouvez détendre encore plus. Observez la douce torsion, le massage des organes internes avec le souffle. Et on va se préparer tranquillement à quitter la posture. On se rassemble, on retrouve nos contours, notre appui sur les mains, et on inspire. Et à l'expiration, le nez se redirige vers le ciel, les genoux, les jambes vers le ciel, le dos bien à plat. Ah, on trouve la ligne droite, puis on défait tous les nœuds dans les jambes, qu'on peut étirer, on peut aussi étirer les bras, bouger les poignets, les chevilles. Faites tout ce qui vous fait du bien, là ça peut être aussi de masser l'arrière des jambes, les genoux, de serrer les jambes vers vous et de masser le dos. Et notre posture finale sera Shavasana, mais une version de Shavasana assez large. Pas juste parce qu'il y a le chat, mais parce que c'était prévu. On écartera autant les pieds qu'on veut, autant les bras qu'on veut, ça peut être en croix, en cactus. Et vous pourrez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Vous pouvez mettre un timer de 3 minutes ou 5 minutes selon le temps dont vous disposez. En laissant tout le corps être soutenu par le sol, par le tapis, par la terre. Toute la peau du visage se lisser. Tous les membres se relâcher. Et le souffle voyager librement dans tout le buste. Le prana nourrir toutes vos cellules. Et chaque seconde, chaque expiration, vous ancrer un peu plus. Être un peu plus présent, présente. Calme.
N'hésitez donc pas à faire pause sur la vidéo si vous voulez rester un peu plus longtemps. Je vais juste guider la sortie de la posture pour celles, ceux qui auraient besoin de partir maintenant. Pour repartir, on reviendra. Posez les bras le long du corps, posez un pied puis l'autre à plat. Retrouvez tout le soutien possible du dos sur le sol. Et puis on roulera sur un côté. Et on cédera de la main de dessus. Après un petit temps ici peut-être. Pour se rasseoir doucement. Vous pouvez prendre un petit temps pour laisser tout se remettre droit, d'aplomb. Et savourer les bienfaits de la posture, des postures, de la pratique de cette séance. Je vous remercie infiniment de m'avoir fait confiance pour vous guider dans cette séance de yoga restauratif. C'est vraiment, je crois, un de mes types de yoga préférés, vraiment tellement régénérateur. Je tenais aussi à vous remercier encore une fois de votre présence sur cette chaîne depuis cette année, cette longue année. Et je sais qu'on a pas mal changé d'endroit où se retrouver. On a pas mal changé d'endroit pour la cagnotte qui permet à cette chaîne de vivre. Mais j'espère que maintenant, on a trouvé notre nid sur Patreon. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Toutes les informations sont dans la description ci-dessous. Et ça vous donne accès aussi au serveur Discord sur lequel on va pouvoir discuter de façon informelle, mais aussi échanger sur les sujets qui nous intéressent. Le yoga, mais beaucoup d'autres choses également. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça sera avec plaisir qu'on échangera et qu'on passera du temps ensemble. Merci aussi pour votre patience dans l'attente du calendrier de mai 2023, si vous pratiquez en temps réel. J'ai mis un petit peu de temps avant de le créer. Il faut savoir que ça me prend vraiment un temps incroyable de créer ces playlists à thème, le calendrier, mettre tous les bons liens, etc. Donc ça m'a pris un petit peu plus de temps ce mois-ci. Pardonnez-moi, il est bien disponible sur Patreon. Et je précise qu'il reste gratuit. Même si vous n'êtes pas abonné au Patreon, vous pouvez accéder à l'article qui correspond. Donc c'est avec joie que je vous dis à demain pour une vidéo du calendrier du mois et à la semaine prochaine pour une vidéo inédite et en attendant où vous voulez, quand vous voulez. À bientôt.